nous avons commencé à tirer aller sur la Constitution. Hein. Mais comme je te dit la dernière fois, tellement de bagages qui pour dire dans la Constitution, j'ai l'impression que même si on a fait 6 mois, on va parler au bas de l'homme, on va bien finir de dire ce qu'on a pour dire la Constitution. Bon, la dernière fois, nous avons essayé de comprendre, côté le peuple a été préjudicié, on fait peuple à lui. Côté peuple a été préjudicié, côté a été fait un paquet de manquements, il n'a pas exécuté la Constitution. Mais je dis à nous parler un petit peu plus loin pour nous comprendre comment cette volonté affichée de ne pas exécuter la Constitution, pour nous comprendre ce qui nous passe. Alors, bien entendu, je dis à là, nous allons rentrer dans l'oubli, côté pour nous dire que. Est-ce que pour nous affirmer, ou du moins pour nous confirmer, est-ce que nous avons volonté pour exécuter la Constitution ou pas? Moi, je dis que non. Depuis en 1987 que la Constitution a voté, nous remarquons que le débat est fait autour d'articles bien précis dans la Constitution. C'est-à-dire ces articles qui représentent les intérêts économiques et les intérêts privilégiés d'autres groupes de monde ou bien de système. Et la Constitution, ça a. Beaucoup j'aime moins toujours, comme on parlait autre de l'article qui commençait à partir du 133 Constitution et pour le finir dans 72.1. Article 133 Constitution, il commençait par le président de la République, il avançait dans 149 pour livrer le gouvernement et c'est ça seulement qui fait comme débat, à part bien entendu. Ou seule fois que peut-être tu as soulevé l'article 114 et suivant de la Constitution, c'est le cadre de l'arrestation, c'est le début d'Anel Belize qui t'a fait couler un bilan. Après ça, tu as gagné un Sénat, que le sénateur Simon Diocel dira président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, qui t'a fait parler de l'article, qui t'a fait parler l'article 150 de la Constitution. C'était là, dans le but évident pour t'affaiblir, montrer que le président n'est pas grand-chose. Et l'article 150 de la Constitution, il dit qui ça? Il dit que le président de la République n'a d'autre pouvoir que ce que lui attribue la Constitution. Ça, c'était une façon pour te montrer le président. Voilà. Troisième article qui peut-être qui accorde une certaine importance avec la Constitution, c'était l'article 236. Côté la même bataille que le Sénat, ça a tape fait avec le président Martelly, les deux les candidats à cette fonction, c'est-à-dire à fonction de Cour supérieure des comptes, font directement le dépôt de leur candidature au bureau du Sénat de la République. Le Sénat, c'est ça qui te fait débat, le Sénat élit les 10 membres de la Cour qui parmi eux désignent leur président et vice-président. Or, monsieur, c'est ça qui passait. C'est-à-dire que toute intervention à travers la Constitution, tout défenseur de privilèges, mais tout intérêt convergé vers les intérêts économiques, c'est-à-dire qu'on pas senti que gagne un bail qui concerne les populations à la donne. Alors que, bien entendu, si nous tapons exécuter la Constitution, ça, moi je dis que malgré que, ma prévité encore que je suis pour la réforme constitutionnelle, même dit que le peuple a retrouvé la donne, et on prend bien pression que le système n'a tellement fait excès. Que ça pour le faire, pour le survivre là, c'est plus facile que l'exercice là, fait là qui je dis peut-être, mettre le système là, quelque part à jouer en compagnie, quelque part à jouer en compagnie, qu'il y ait un système là, en sorte de déroute, et pas tout ça qui a passé, c'est vrai, les gens qui sont en déroute, pas bien l'autre jour qui a expliqué, ou non qui a descendu le pays comme ça, chaque jour à monter de là, chaque jour à France, à l'histoire comme ça, pas bien l'autre bagage qui a expliqué que ce soit affolement du système qu'il a, je dis. Et affolement, il est venu du fait que justement, cette constitution de 1987 qui était trace au modèle social, nous pas exécuté tout simplement. Bon, le référendum sur la constitution, à mon sens, ce n'est pas seulement à mon sens, le référendum sur la constitution est interdit par l'article 284.4 et 284.4 de la constitution qui dit que toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. Ça, nous sommes dans la constitution. Mais maintenant, la Constitution, c'est un consensus qui fait une donation. Donc, si c'est un consensus qui fait une donation, pourquoi pas ne pas faire consensus là encore? Parce que nous n'avons pas fait la Constitution tellement. Mais je dis à moi, je dis que la Constitution, malgré ses avantages également, on me dit que je suis pour la réforme constitutionnelle. On pose une question, est-ce que le moment est idéal, est-ce que le moment est propice? Moi, je dis que oui.
que le moment est propice, je dis, en garde la Constitution, en garde l'intérêt d'abord. Pour nous, est-ce que c'est opportun? Est-ce que si je dis à nous avons un Parlement qui... Est-ce que si je dis encore, nous avons un Parlement qui, en fait, effectif et qui a fonctionné à plein régime. Je dis à nous avons le même comportement encore, même j'ai eu des comportements qui ont été bloqués. Toute démarche qui tend à doter pays à du Conseil électoral permanent, même j'ai eu fait des marches, ils constituent des éléments de blocage pour bloquer cet arrêt-là, pour constitutionnel qui prévoit la Constitution. Donc moi, je dis que c'est alors des avantages, c'est des avantages du Parlement. Si le Parlement, je dis, t'as rentré dans la logique ou t'as amendé la Constitution, et c'est ça, je dis que le moment est idéal. Le moment est idéal parce que justement, pas le Parlement qui vous fait pression sur votre institution, c'est l'institution qui existe de fait là, la présidente. Il y a des sociétés qui sont accarrelées, des groupes de pression dans la société. Maintenant, il prouve que si le président a fait tout ça, maintenant je dis, moi, je ne connais pas, peut-être nous sommes en minute, même peut-être nous sommes un petit peu plus loin. C'est-à-dire que le président n'a pas fait ça. Et ça nous est une réforme constitutionnelle, là, ça nous est une réforme constitutionnelle, la Constitution. Maintenant, je dis, c'est comme ça, nous, qu'à faire. Et c'est ça, justement, le problème qui est ici. C'est parce que chaque monde met la tête, que vous avez la sassafie, de venir garder le pouvoir, de la justice, vous avez la sassafie, vous avez la sassafie. Moi, je vous garantis que je dis à la débat, la fait exercice, justement, que nous avons fait la réunion là. Lui, intéressant, dans la mesure où vous sentez comment c'est une implication de l'autre groupe, de l'autre groupe d'intérêt en des sociétés. Parce que, à la vérité, moi-même, qui suis pas dans longtemps, ma plus de confusion. Mais on dirait que ça n'a pas très intéressé pour me tenter la débat. Mais je dis à moi, le psycho, j'ai l'ingénieur à côté de moi qui nous a intérêt pour ça. Donc, moi, parce que sous nos mapes, je dis à la nouvelle constitution ou une sorte de réforme constitutionnelle, non pas qu'à compter sans les forces vives de la nation. Et là, je dis les forces vives de la nation, pas les forces vives traditionnelles, non? Question des initiatives de société civile, question de ne pas ça, on ne m'a pas parlé, je ne parle pas. On parle de bagages qui piquent profond, parce que nous sommes bien d'accord que la constitution de 1987, c'est une constitution qui te garantit l'hésitation, qui te garantit l'émotion, qui te traverse, qui fait que c'est le contraire. Malgré ou ensemble d'acquis que nous avons de la constitution. Je dis à ces débats, faites pas que personne ne mette la tête, que je dis à eux qu'il y a une initiative là seule. Je dis à ne pas qu'à quitter, pas que personne n'aime, personne qui a quitté du autorité. Quel qu'on soit généré, seul dans ce débat, parce que je dis à nous, tout le pays ça va passer là. Nous t'ai dit la dernière fois, c'est pour un sujet que nous t'avons pénétré. Et nous choisis délibérément pour me battre dans ce sujet ça. Parce que je ne veux pas faire jouer au petit groupe. Je ne veux pas faire jouer tout système qui, traditionnellement, vive de confusion dans des sociétés, ils survivent. Je dis non, ils survivent de confusion et de fuite en avant. Maintenant, le juriste que je suis, moi-même, la commission militaire, je prends charge à partir de prestations de serment. Commissionné en décembre, je prends charge à partir de prestations de serment. Donc, moi, je pensais qu'il en est de même pour toute autorité élue. C'est-à-dire, il prend charge à partir de sa prestation de serment. Moi, je m'absuive un ensemble de réflexions qui dit que, selon l'article 134, alors bien entendu, il faut m'obliger à relire 134.2a. L'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. C'est-à-dire, l'élection a été faite en 2016, l'élection a été faite en 2021. Mais cela, vous êtes au même. Cinquième année. Ça, vous êtes au même. C'est blanc, bonnet et bonnet blanc. Vous dites que la durée du mandat, c'est 34.1 et de la Constitution, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février, suivant la date des élections. Mais si l'élection a été faite en 2016, suivant la date des élections, c'est pas allemand, c'est pas chinois, suivant la date des élections. Ça, je ne m'en vais pas rentrer là. En dedans, ça me trouve, c'est un chabatoire en plus, un petit pote de sortie. Je ne connais pas Gaïo, mais ça, je ne connais pas tout. Même moi, je connais qu'elle était prêtée serment, même si ce n'est pas exactement le bas, mais normalement. Et article 134.2a, il continue pour dire le président élu entre en fonction le 7 février, suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Mais maintenant, si c'est le 14 mai 2017,
son mandat a censé commencer le 7 février 2017. C'est un petit peu clair, ça. C'est parce qu'il doit. C'est pas allemand. Non, s'il y a ambiguïté, c'est ça pour nous contester. Comme ambiguïté. Mais pour moi, même pas d'aucune ambiguïté, c'est voulu que des bazardes. On connaît. Je ne sais pas vouloir offenser personne. J'ai l'impression que la société a prêté à jouer de ça. Manœuvre de diversion, ça a prêté. Et on connaît, comme journaliste, c'est pas un, et pas un, non, on va passer, on va pas prendre un. Comme journaliste, il y a pas si nous t'es ignoré, on t'a fait plus d'un parcours que si nous sommes sur le jeu. Nous ne pas autant parler. Parce que nous avons des trucs. Nous avons des amis. Parce que là, ça qui a passé dans le pays, nous avons parlé du système économique, du système financier. Si on ne coupe pas, on est dû abjurer tout ça. On a dû plonger nous la crise jusqu'à ce que. Est-ce que c'est pour moi d'un président fini? Est-ce que c'est pour moi? Parce qu'en fait, pour la banque jouer au rôle, il faut un nouveau système économique. Oh, moi-même, je suis d'avis. Ça, c'est mon avis. Oui. Je ne suis pas économiste. C'est mon avis. Mais ce qui est important, c'est que moi, on dit à moi qu'on a plagé nos économies de sous-traitance et l'économie de l'autre. Donc, deux aspects de l'économie qui n'ont pas qu'à faire avancer au pays, qui ont fait développer au pays. Premièrement, on parlait de l'économie de sous-traitance. Regardez tout effort que le président fait là pour nous faire parce qu'il y a l'autre jour, malgré le bac à l'éducation. Alors, ça qui vient de passer. Nos industriels, ou du moins prétendus industriels, qu'ont-ils fait? Non seulement, c'est des sous-traitants qui ont c'est là où ils ont de vie, ils ont fait changer de visa, ils travaillent pour nous qui paye un petit dollar. Maintenant, de là, ça, c'est là que nous allons rentrer l'économie de l'État. Ça, ils fait. De là, ça, ils mettent dans le paradis fiscal. Le paradis fiscal, puis ils contournent la fiscalité française. De là, pour faire. Et au vide de l'État, on imagine, n'a pas envie. On imagine que les gars mettent 100 dollars dans le paradis fiscal, ils gagnent 1 dollar et demi d'intérêt. Mais c'est de là et demi, ça, vous voyez, bali chaque année, c'est ça. Et après, ça nous bat aucune source de revenus. Nous n'avons aucune source de devises, aucune source de devises. À part peut-être s'ouvrir la diaspora qui est importante, mais cependant, on va remarquer tout effort que le système a fait pour mettre la diaspora justement en marge du système économique. Là. Donc, le système économique, là, maintenant, il a fait tout effort que lui. D'ailleurs, ce n'est pas un système bancaire. Et je vais vous donner une information. Est-ce qu'on connaît que de 1994 à 2004, le système bancaire guadeloupéen, la Guadeloupe gagne sous table, sans t'arrêter l'équivalent de la population de Cité Soleil, 350 000 habitants, et je vous dis peut-être qu'il y a quand même un peu plus. Mais le système bancaire guadeloupéen, en 10 ans, il finance la construction de 400 cailles, mais le système bancaire haïtien, avec ses 12 millions d'habitants, en 10 ans, il finance la construction de 4 cailles. C'est-à-dire qu'il n'a pas investi dans le crédit, il n'a pas investi dans rien. Donc à partir de ce moment-là, ça, oui, ça, moi-même, je dis. Pas bail ou bail qui pague valeur, top valeur. Là, quand je suis là, si je cherche devant moi, je besoin d'une autorisation que je fais pour le monde, pour la circulation. Bon, malheureusement, je dis comme ça, mal fait là, au cadre. Pour identifier comme dermalogue, mais c'est au cadre d'identification nationale. Mais l'arrivée là, la circulation, circulation retenue, il dit que ça, pourquoi on est dans le système? Non, mais regarde, dès la partie de ce moment-là. C'est même bagage. Est-ce que vous rentrez dans ça? Alors que vous connaissez. Il y a des gens qui critiquent ça qui finalement. C'est tout à 5 ans. Tu dois chaque monde pour le critiquer, pour ne pas critiquer. Mais cependant, moi, je m'ai dit et m'a prédit encore. Monsieur, en étant la Constitution, pour nous garder les torts qui ont été faits à la nation, on ne va pas utiliser l'échappatoire. Maintenant, si je vis 10 ans encore, le système n'a été 10 ans encore, je garantis que chaque jour, le système n'a pas bon ou raison pour l'exister. Créer aux situations de crise. Ce n'est pas un bagage anodin qui a passé là. Il y a bonne crise jusqu'à ce que, au moins peut-être qu'il y a un jeune confort là, parce que je dis à la, le système n'a foulé, le système n'a paniqué. Je dis à la, ce n'est pas je dis à pour la banque qui a ce type d'arrêté ou communiqué pour protéger le mec là. Depuis le COB a commencé la dérive là, dans 70 000 dollars, depuis le temps, la banque a commencé à prendre des solutions. Pour ça, c'est coûté à la banque à prendre des solutions ensemble de la comme ça. Donc, moi, je dis que là encore, c'est de l'échappatoire. C'est ça de faire rendre compte que la population, les pays, c'est ça. Même bien longtemps, m'attendais pour le Premier ministre, je disais mon Premier ministre. Mais depuis le Premier ministre, ça a dit que personne ne va diriger à elle là. Moi, à partir de ce moment, je vais prendre une déclaration pour ça. Si le Premier ministre, décider de parler comme Premier ministre, bon, c'est tant mieux.
Mais honnêtement, moi, je ne pas que le premier ministre automatiquement début de faire déclaration. Il n'y a pas besoin de faire un deuxième comme premier ministre. Il n'y a pas faire un deuxième comme simple citoyen, mais pas comme premier ministre. Parce que je m'entends nous mettre là. Et donc, le premier ministre a dit que personne ne va plus gagner là. Et là, le président qui l'a nommé. C'est vrai que le va passer devant le Parlement. Et le président qui l'a nommé. Le président, pendant ma parole, voilà là, c'est 11. Alors, il est parmi les 11 seules autorités élues qui sont encore en vie. 10 clôtures, c'est 10 sénateurs, ils sont quasiment inexistants. Et c'est ça le pays pour le Parlement totalement inopérant. Et puis pour dire Chita, et puis à Juif, c'est pour le village de l'État, machine officielle là, mais on continue à faire ça. C'est ça le pays pour ça. Donc normalement, nonobstant ça, si nous t'avons dit qu'on seule l'autorité, elle est la bien, qui est le président de la République, je dis à là. C'est le constat, ça te constate, mais c'est le constat. Donc c'est l'échec de la société, c'est l'échec de la société. Comme c'est l'échec de la société, ça l'a vu là. Donc moi, je ne pour me tendre, premier ministre, joue encore, cap de bagarre encore, parce que je connais ce bagarre plus l'a dit. Malheureusement, c'est pas faute. Maintenant, nous t'ai approché la question la dernière fois. Est-ce que je dis à la, système n'a pas tourné nous, là, ça nous a relé, ça nous relé. Est-ce que le système n'a pas tourné nous, ça nous relé le communautarisme. Nous dit oui que c'est le communautarisme. Je dis à quelqu'un à qu'on comprenne. Il y a des sénateurs qui campent au côté, c'est mettre côté à lui, c'est loi qui passe. Il y a des députés qui campent au côté, c'est mettre côté à lui. Il y a des ministres qui campent, c'est mettre côté à lui. Donc à partir de ce moment, ben ça, la société a emboîté le pas. Donc je dis, on ne va pas demander, puis on a dit ça, leader en bas. Il y a un leader qui dit c'est leader communautaire, nous connaissons, qui est-ce qui dit c'est leader communautaire. Mais je ne vais pas dire c'est eux-mêmes qui sont responsables. Parce que moi, je m'attends aux petits jeunes qui étaient derrière au-delà. Nous disons comme ça que ça qui l'a mené 24 000 dollars américains. Boîte balle vend 250 000 dollars. Il dit aussi, il t'a gagné comme ça, c'est Chili, c'est bien malheureux de le dire. Mais il dit aussi, il t'a gagné comme ça, c'est Chili, il t'a. Alors, ça qui vient, il vient, il vient de mettre des armes là-même. Il vient de faire le fond d'Alenmi, il vient de comprendre pourquoi il vient de mettre des armes là-même. Donc, c'est la situation qui prévaut dans ce pays maintenant. Moi-même, naturellement, si en bas, dans la ville, il y a des gens là-bas qui ont des contentieux avec la société, qui ont des problèmes avec la justice, qui ont des causes avec la justice. Mais moi, je suis d'avis. Que en bas, ils ont répété plusieurs fois, ils ne sont pas responsables de tout ça qui a passé là. Qui est-ce qui est capable? L'angoisse est misère ça que le pays a connu. Qui est-ce qui est capable? Il faut qu'il y ait un pile moral pour pas répondre à chant de sirène ça. Quelqu'un jeune garçon, être un balai chico, un balai chico. On a une fois tiré la constitution parce que moi d'abord. Attendez. Nous avons tout à l'heure là que nous appliquons la constitution seulement. De l'article 133 constitution qui parle de la présidence jusqu'à l'article 170.2 de la constitution. C'est seulement intérêt économique qui privilégie un des systèmes. Mais on garde pour nous. Oui, on garde pour nous. Nous parlons de l'article 268. Regardez tant que nous avons fait. Qui est aux sources d'emploi pour les jeunes, qui est aux sources de formation tout, supplémentaire pour les jeunes. On a regardé l'article 268 de la constitution. Alors, bien entendu, c'est 268. Hein? Dans le cadre d'un service national civique mixte obligatoire, prévu par la Constitution à l'article 52-3, les forces armées participent à l'organisation et à la supervision de ce service. Le service militaire est obligatoire pour les Haïtiens âgés au moins de 18 ans. Mais monsieur, entendez-nous, si nous avons exécuté la Constitution, nous avons une source. Si monsieur Sao qui a des armes illégales, nous n'avons pas pris des armes illégalement. En deux institutions, et pas des institutions qui est l'armée, il y a quand même de l'autre formation supplémentaire, parce que l'armée, c'est principalement sa mission. L'armée fait de son carré de formation supplémentaire. Donc, mais tout le temps qu'ils ont fait, c'est ça en tout. Donc, vous ne pouvez pas dire, monsieur, est-ce que ce ne sont pas des victimes? Non, ce sont des victimes expiatoires, tout sont vrai. Mais cependant, pas qu'à blaguer tout toi sous dedans, ils ne sont pas des victimes des affaires de l'État. Au moment où nous venons, peut-être, vous m'attendez de là, puis ce qui est plus intéressant. Maintenant, il a pris dans le cas de kidnapping qui fait sur le docteur et. Comment il s'appelle déjà? Docteur Vita. Monsieur le Major, il a pris. C'est bien malheureux, là, ça me sentit frémi, m'a regardé moi dans quelle situation, jeune garçon, il est en situation extrêmement difficile. Ou comme j'ai l'impression qu'il est entré en bail de nos retours. Mais il dit, docteur Vita kidnappé l'appel 25.
à 11h30 du soir, docteur Habitat, trois machines officielles viennent déposer le docteur Habitat, voilà, quand ils vont m'écouter. Mais monsieur Antadono, qui est pour reconnaître aux machines sur machines officielles? Je ne sais pas, ni blindé, ni le couleur, ni le plaque qui la donne. Mais personne ne parle, qui mange justement. Quand ça pied est la donne, le président Jovenel frappe pied pour Bahé Bita là. Il a dit qu'il a quitté Charles à ce point. Il y a le bal qui a quitté Charles à ce point, puis finalement, il a la guerre. Parce que c'est Tilapie. C'est Tilapie qui est responsable ça. Ou bien c'est structure l'État qui est responsable ça. Moi, je dis que c'est structure l'État. Parce que si Tilapie a 18 ans, bien ça, probablement que 18 ans, nous sommes entrés dans le circuit légal, peut-être que je dis qu'il va t'en choisir, moi, ça. Donc, moi-même, c'est comme ça, vous comprenez. Pour nous finir, parce que comme tu dis, par rapport à tout ça, on dit là, nous sentons constitution n'est pas appliquée, ou bien ou pas même fait appliquer. Finalement, est-ce que c'est changé pour nous changer ou bien c'est appliqué pour nous appliquer? Maintenant, ça va le dépendre. Même je dis à la midi, c'est pas intérêt. Ce sont les intérêts économiques qui déterminent. Ce sont les intérêts économiques qui déterminent le comportement et on est au pouvoir. D'accord? Ce sont les intérêts économiques qui guident le comportement de la pouvoir. Donc je dis, si vous mettez même la même portion, à travers la même constitution, nous allons avoir le même résultat. La même cause de la même circonstance produit les mêmes effets. Donc, en d'autres termes, je dis à moi-même, je dis dernièrement, maintenant, nous devons caler là sur le cancer. Il y a aussi qui pète la vie au monde et tout dans le cancer. Vous avez maintenant tout la guerre. On connaît plus bien que vous mettez là. On connaît plus bien que vous pensez qu'il y a des idées en médecine. Là, là, c'est coupé pour couper. Là, c'est pas, tu penses qu'on va le mettre à l'analyse qui va gagner pour gagner. Aujourd'hui, justement, c'est le système qui est à bout. Le système n'a pas de revendication. Moi, le petit gobain, personne ne va avancer à la question. Il y a personne qui a contourné autour de la Constitution, alors que moi, je voulais arrêter la Constitution. Mais c'est ce que nous prenons, pas d'autres seules institutions dans le pays qui ont fonctionné dans la forme légale. Pas j'aime une autorité qui dit nous que pas nous seuls si j'en avais qu'à fonctionner de la forme légale. Si nous voulons qu'on titre un point, on va le montrer. On va nous l'article 74. Le conseil municipal ne peut être dissous en aucun cas. Article 73, pour les maires. Article 73 de la Constitution. Le conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale. Nous pas à l'Assemblée municipale. Et rencontre à l'Assemblée municipale qui elle-même en fait rapport au conseil départemental. C'est-à-dire, magistrat, il n'y a pas à l'Assemblée municipale, il n'y a pas contre la personne. Les même tout à l'Assemblée municipale, il n'y a pas de conseil départemental qui fait. C'est-à-dire, magistrat, l'on s'avance. La fonctionner, l'on s'avance. La population a fonctionné au savant, n'est pas donc une autorité. D'ailleurs, l'autorité aussi fait complice de eux-mêmes, parce que le 3 décembre dessous, nous avons dit, au moins t'as qu'à dire ça. Si le Parlement a joué au rôle de mettre là, au moins tu as veillé à ce que l'institution s'arrête sous place. Élection au second degré.